Hello, bienvenue sur la chaîne Trésor et Tempo. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Comme vous constatez, je suis devant la porte parce que mon chéri est à l'intérieur. Donc, je ne veux pas qu'il comprenne comment je suis en train d'introduire. En fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le prinquer la nuit. Et là, maintenant, je sais que s'il rentre et je sors pour faire l'introduction, il saura en fait. Il va me dire, tu pars où? Ou bien, il pourra même me suivre en fait parce que c'est la nuit. Je vais essayer de faire comme si je suis fâchée et je vais aller me coucher sur le fauteuil en fait. Et je vais voir comment il va réagir. Pas comme si je suis fâchée, je vais juste laisser le lit et aller me coucher là-bas. Maintenant, je vais laisser quand il sera en train de dormir. Je sais que quand il dort, il est toujours en train de me chercher dans le lit comme ça. Ça arrive à tout le monde. Dès qu'il ne va pas me trouver, il va venir directement me chercher sur le fauteuil. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bref, j'ai déjà fait quand j'étais fâchée et il est venu directement. Mais là, maintenant, je sais qu'il va venir. Mais je me dis que comme il n'y a pas de problème, je vais plutôt lui faire aller me payer quelque chose à 2 h du matin. Tout sera fermé, mais il y a les stations d'essence qui va aller. Il va aller là-bas me payer du yaourt. Et je vais voir vraiment s'il peut le faire. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dérange beaucoup sur la grossesse. Je ne suis pas quelqu'un qui est trop en train de dire tu me payes ceci, tu me payes cela. Donc, vraiment, je ne sais pas comment il va réagir parce que ça serait une première de lui déranger, de lui dire d'aller me payer quelque chose aussi tard. Mais on va voir s'il pourra le faire pour moi en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je coupe maintenant et on se dit la nuit. Je vais lui laisser en train de dormir et je vais faire tout et tout pour pouvoir poser la caméra avant qu'il ne vienne. Et aussi, il y a quelque chose, je ne sais pas si ça serait très clair, mais bref, le prank, c'est le prank. Le prank, c'est pas quelque chose qu'on suivait, si c'est clair. Le prank, c'est de voir la réaction. Parce que c'est la nuit, si j'allume trop de lumière, il saura. Vous voyez un peu. Donc, je ne sais pas vraiment. Je vais quand même essayer de prendre une image qui est quand même bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'arrête tout simplement la vidéo et on se dit à tout à l'heure, les gars. Later that same evening. J'ai envie de me coucher ici, non? Ah. Donc, il faut vous créer le lit à part, le canapé à part. Parce que tu as l'air de me laisser, mais en fait, tu peux créer des lits partout. Tu vas aller te coucher dans la chambre, c'est quoi? Ouais, chérie, pardon, laisse-moi ici. Je... Tu fais quoi là-bas? Tu fais d'abord quoi là-bas? De coucher dans la chambre. Il n'y a pas de problème, mais c'est juste que je ne parviens pas à bien dormir sur le lit, non. Il y a quelle différence ici et le lit? C'est que le derrière, c'est bien. Ça me bloque bien. Le dos. Oui. Faut d'une façon, on fabrique un lit à la forme du derrière là pour toi. Faut d'aller te coucher dans la chambre, c'est quoi ça? Ouais, moi je suis bien ici. Ah, c'est quel système ça encore? T'as commencé quand? Tu t'es bouché la chambre, c'est quoi ça? Oui, chérie, c'est fait tard, moi je sommeille. C'est fait tard, tu as sommeil, c'est sûr qu'on a fait que tu vas dormir. Ah, maman, mine, job. T'as bouché dans la chambre, c'est quoi? J'ai faim. Tu as faim? À quelle heure? À 7 ans. Tu as faim à quelle heure?
Ça arrive, non, c'est normal, assois-toi. Ça arrive, c'est quoi? Lève-toi en bas de la chambre. Lève-toi, je passe au-dessus de la chambre. Ouais, assois-toi d'abord, non. Ah, mon Dieu. Et pourquoi? Va au-dessus de la chambre. On reste un peu ici. Que tu as faim? À quelle heure? Je vais pas manger ce que j'ai préparé. Et c'est quoi ici? C'est les arachides, non? On prend, on mange quand on veut. Ah, alors que tu manges les arachides. Et on si j'ai mangé? D'éviter le grignoter entre les repas, c'est ça? C'est quoi ça? Non, j'ai pas grignoté, j'ai pas mangé. Tu ne veux pas couvrir ça? Tu ne veux pas couvrir ça? Oui, après. Tu dis que tu as faim à quelle heure? Tu aimes le qu'il est? Mais les voitures passent toujours dehors, non? Non, les voitures doivent passer 24 heures sur 24, c'est normal. Tu vas aller voir ce que tu veux manger à l'heure, c'est apparaît. Manger quoi là-bas? Tu as préparé, non? Tu croyais que tu dormais, même. Tu as préparé, non? Je vais plutôt le yaourt, ce qui avait les fruits là. Et ouais. C'est fini. Le yaourt? Avec toutes les boutiques qui sont fermées à l'heure, si tu ne veux pas le yaourt. Oh, C'est pour ça que je suis venu ici me coucher, non? Le yaourt à quelle heure? Quoi, en journée, tu vas parler de yaourt? C'est en nuit, regarde l'heure que tu demandes le yaourt. Et si j'avais envie en journée alors? Hé, que fou, oui. Le yaourt à l'heure, si. Les envies. Et si ça m'arrive souvent? Ce que tu as préparé, c'est toi qui avais envie de ça. Maintenant, c'est que, oh, c'est mon Dieu, c'est descendu. Maintenant, tu n'as plus envie, tu as envie d'autre chose. Est-ce que ça m'arrive souvent? Vous faites comme ça comment? Est-ce que ça m'arrive souvent? Ça m'arrive pas souvent. J'ai seulement envie de ça. Je me disais que tu étais en train de dormir donc. Ah non, tu que tu as parlé ce soir. C'est toi qui as dit que tu avais envie. Franchement de ça. Mais tu n'as plus envie. Mais tu as envie de du yaourt. Ouais, moi j'ai envie du yaourt. C'est comme les boutiques sont fermées partout. Il faut comment? Et si c'est fermé partout? C'est fermé. Les supermarchés sont fermés à l'heure aussi. Regarde l'eau qu'il est. Il y a les stations, non? Les stations. Oui. Les stations d'essence. Oui. Loin là-bas. Mais si c'est loin de la maison. Ah, c'est pas bon, hein? Non, c'est pas bon. C'est pas proche du mall là-bas. Le mall est à côté. Et là-bas que le bus ne passe pas à l'heure. Non, j'ai pas dit que tu partes acheter ça. J'ai pas dit que tu partes acheter ça. Justement, j'ai seulement dit que j'ai envie de ça. Je ne parviens même pas à dormir. C'est yaourt qui va te faire dormir. Le yaourt est devenu le somnifère. Ça, c'est la magie. La vraie magie, c'est ça. C'est levé à plus de 1 heure de temps, 2 heures du matin. Et souvent, à 1 heure, les bacs sont encore ouverts. C'est fermé. Mais les bacs souvent sont encore c'est ouverts. C'est fermé. J'ai déjà là, en fait, c'est fermé. Ça ferme à minuit. Ça va alors. Ouais, chez moi, j'ai envie de ça. Non, j'ai seulement deux pots comme ça. Je demande deux pots comme ça, deux. J'ai faim. À 2 heures. J'ai faim, les oranges sont finies. Ouais, chérie, on parle ensemble. Non, tu pars où? On dit qu'en Afrique, on dit que c'est interdit au marché. Les femmes enceintes apparaissent à 1 heure, 2 heures. C'est pour faire quoi? Mais ils sont en Afrique. Nous sommes africains. On respecte notre culture, c'est ça qu'il s'agit. Pardon. S'il te plaît pas, alors tu achètes. Et il n'y a pas de... C'est fermé à l'heure-ci. Ah, t'as pas là, c'est la magie. Tu peux pas habiller comme ça. One eternity later. Tu pas tu habillé comme ça? Je vais m'habiller comment? J'ai mis l'autre au frigo.
J'adore quand un plan se déroule sans accroc. J'aime pas vraiment celle de la mangue ici. Et toi, toi, tu bois ça. Tu vas avoir le sacrifice qu'elle fait pour avoir ça. Bois ça en bas. Finis ça là, finis ça en bas. Ouais, chérie. Moi, j'aime pas le goût, c'est d'abord. C'est pas ce que tu veux souvent ici. Souvent, c'est le goût. À la fraise, c'est la même chose. Okay. Ouais, finissons pas. Ouais, j'ai plus envie, non. Attends, je vais finir. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai la tête d'un guignol. Pourquoi tu me regardes comme si j'étais nerveuse jusqu'à... Non, tu allais voir acheter. Non, oh, tu allais voler. Mais tu as acheté ça à Bacala parce que tu n'as même pas fait 10 minutes. C'est bon, hein. Je c'est fermé partout. Donc tu es à côté du mur. Mais si c'est loin, tu descends seulement au fond. Ah, c'est facile. Mais c'est... C'est facile. Je tiens, c'est là à côté. Donc toi, c'est facile. C'est parce que tu as envie de faire, non? Avant, quand souvent, quand il fait les achats là-bas, là, tu disais que c'est loin, non? Maintenant, comme c'est mon tout, tu dis que non, c'est là devant. Je voulais seulement voir comment tu vas réagir. Je voulais voir si tu vas aller payer ça pour moi. C'est une tentation. Est-ce que tu déranges souvent? Je vois si c'est une tentation. Bonne nuit. Attends, attends-moi alors. La dernière fois que tu me prends un câble rouge à lèvres là, je crois que j'ai oublié. Les gars, je peux dire que j'ai réussi à la voir. Je suis trop contente. Là, je vais fermer vraiment parce que j'ai sommeil. Et mon yaourt est trop bon. Chérie, viens, okay. Non. Mais tu m'attends pour qu'on parte dormir. Donc, viens au moins, okay. On ferme ensemble. Ok, les gars, on se dans une prochaine vidéo. Je vous aime, je vous adore. Il faut liker, s'il vous plaît, parce que là, vraiment, il a beaucoup marché pour ça, n'est-ce pas, chérie? Viens alors. Viens conclure et apprends pas à dormir ensemble, non? Il ne veut pas venir conclure. Les gars, il faut écrire dans les commentaires que c'est pas bien, parce que vraiment, quand on prend que quelqu'un, on tue, tu viens conclure. Viens alors. Mais prank, ça fait toujours mal. Déjà, une chose est sûre, c'est que elle a gagné pour aujourd'hui. Elle ne gagnera pas toujours. La team Tempo, on est ensemble. Non, c'est ce que tu voulais dire, les gars, il faut liker. Tu es fâché. Les gars, on se dit dans une prochaine vidéo. Bye.